Direction Huizerne aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de notre émission politique Un quart d'heure avec un candidat. Nous recevons le maire actuel de Huizerne, Daniel Herbert. Bonjour. Bonjour et bonjour aux auditrices et auditeurs de Delta FM. Alors à Huizerne, vous êtes bien connu puisque vous êtes élu depuis 1977. C'est ça. Maire depuis 1995. Exactement. Et vous étiez seul candidat en lice la dernière fois en 2008. Voilà. Et là, c'est parti pour être peut-être la même chose. Alors, nous ne sommes pas encore le 6 mars, donc je ne sais pas ce qui se passera d'ici le 6 mars. Mais actuellement, effectivement, les bruits de couloir huizernois ne laissent pas penser qu'une deuxième liste est en préparation. C'est plutôt rassurant pour vous ou vous vous dites ce serait bien qu'il y ait peut-être un petit peu plus de débat, un peu plus d'intérêt pour la commune? Oui, bien entendu. Mais bon, maintenant, je ne vais pas m'en plaindre. Je ne vais pas m'en plaindre d'avoir qu'il n'y ait qu'une seule liste à Huizerne. Évidemment, le débat démocratique n'aura pas lieu, mais nous essaierons, nous, si nous sommes seuls, de faire en sorte qu'il ait lieu. Je prévois avec mes collègues de faire deux réunions publiques pendant la campagne électorale, de façon à permettre aux Huizernois et Huizernoises qu'ils souhaitent de venir discuter avec nous, nous interroger, nous poser des questions et nous exposer notre programme. Ce sera une forme de débat démocratique. Ça veut dire aussi que la situation est paisible sur la commune, que vous faites, entre guillemets, le consensus ? Écoutez, oui, on peut dire que Huizerne est une commune tranquille et paisible. Nous avons, au cours des 6 dernières années, essayé d'améliorer la qualité de vie des Huizernois, leur environnement. C'est notre préoccupation principale. Nous avons continué de maintenir à disposition des Huizernois tous les services que peuvent attendre les habitants d'une commune. Et donc, bon, je pense que le travail a été fait pendant ces 6 ans. Vous parliez d'améliorer le quotidien des habitants. Il paraît que vous faites le tour de la commune à pied, plus ou moins tous les jours. C'est vrai ou c'est une légende ? Non, ce n'est pas une légende. Avec un collègue adjoint, nous faisons tous les matins, pas tous les matins, non, soyons raisonnables, on dira 3 jours sur 7, au moins, le tour de la commune. Chaque quartier est visité au moins une fois dans la semaine. Alors, ça a un but évidemment de balade, nous faisons de la marche, nous faisons 1 heure de marche, donc c'est le côté santé de la chose, et puis aussi en même temps nous en profitons pour repérer les petites anomalies qu'on ne voit pas quand on passe en voiture, à pied on les voit, et on appelle les services techniques et on essaie de rectifier ces petites anomalies dans la journée ou dans la semaine. Alors c'est quoi? C'est des choses qui ne fonctionnent pas bien? C'est des bouteilles cassées dans un coin, c'est une dégradation, c'est des papiers, un stock de papier dans un autre coin, c'est... c'est un trou dans un trottoir, on repère une lampe qui ne fonctionne pas, un petit peu, c'est jamais des grosses choses, mais ce sont des choses qui finalement... empoisonne la vie des habitants quand ça reste là pendant une semaine. Ça vous permet aussi d'être plus proche de la population, des préoccupations des habitants ? Ah oui, nous rencontrons des habitants. Enfin, nous le faisons le matin de bonne heure, donc évidemment, Huizerne est encore un peu endormi quand nous le faisons. Mais bon, s'il nous arrive de rencontrer des habitants, évidemment, de discuter avec eux, de les écouter, ils nous disent des choses qui ne vont pas, des choses qui vont bien. Alors évidemment, on est content quand on nous dit qu'on a bien fait telle ou telle chose. Alors Daniel Herbert, on l'a dit, vous êtes élu depuis déjà 1995, vous avez fait pas mal de choses dans la commune. Lors du dernier mandat, il y a eu surtout la rénovation du centre de la commune, on va dire. Voilà, toute la rue de Saint-Omer a été remise en état, toute la partie commerciale, on dira, de la rue de Saint-Omer. Alors évidemment, tout ce qu'il y a en dessous de la rue, qu'on ne voit plus aujourd'hui, et puis tout ce qu'il y a au-dessus. Nous avons également remis en état l'entrée de la rue des Fleurs et ce qu'on appelle chez nous la place de l'Argilière, qui en avait bien besoin, il faut bien le reconnaître, et là aussi ça a été remis en état à peu près dans le même style que la rue de Saint-Omer, c'est-à-dire avec du mobilier urbain, des mâts d'éclairage public rouge, puisque c'est la couleur que nous avons choisie pour la commune. Nous avons également remis en état la salle des sports du COSEC. Le COSEC, c'est la salle des sports du collège, qui sert à la fois au collège, mais aussi aux associations huizernoises, ceci avec l'aide financière du département. Nous venons de remettre en état l'école de musique. L'école de musique est un bâtiment communal qui était l'ancienne école des filles et qui avait bien besoin d'une remise en état. Et elle est aujourd'hui flambant neuve. Voilà un peu les gros travaux qui ont été faits au cours de ces 6 années, avec également un marché à bon de commande qui nous a permis de refaire des travaux de voirie,
des petits travaux de voirie, des travaux de trottoir, des réparations de ci, de là, et qui, là aussi, qui amènent un mieux pour les habitants, puisque bon, ça nous permet de refaire un trottoir, de refaire des bouches d'égout, etc. Et ça, c'est un plus, et nous continuerons dans le prochain mandat à avoir un marché à bon de commande. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire, justement, sur la commune de Vizerne ? Oh, il reste beaucoup à faire sur la commune de Vizerne. Bah, d'abord, il nous reste, je pense que le prochain mandat sera essentiellement consacré à une gestion des biens communaux, je dirais, en bon père de famille. Nous allons travailler à la remise en état de toutes les salles que nous avons. Nous avons deux salles des fêtes, une salle de sport, dite salle de sport du Choquet, puisqu'elle est dans la rue du Choquet, et ces trois salles ont besoin d'une sérieuse remise en état. Nous allons commencer, ici en 2014, dans quelques temps, à remettre en état notre église, qui, bien sûr, est une église moderne, puisque elle n'est pas très ancienne. La précédente a été détruite pendant la guerre, comme 80% des logements, des maisons de la commune. Et donc notre église, même si elle est plutôt moderne, a besoin d'une remise en état, d'une remise en peinture. Ça se voit comme les yeux au milieu de la figure quand on passe dans la rue. Et puis nous allons changer les boiseries, enfin nous allons faire environ 150 000 euros de travaux dans l'église au cours de l'année 2014. D'accord, c'est pas des gros problèmes de toiture, d'infiltration. Voilà, nous n'avons la chance de ne pas avoir ce qu'ont parfois mes collègues avec des églises plus anciennes. Je pense notamment à Bertrand Petit, à Saint-Martin-aux-Lares, à Joël Duquesneau, à Arc également, avec des églises anciennes qui demandent beaucoup d'argent pour les remettre en état. Alors, tous ces nouveaux projets, vous comptez les financer comment ? Alors, nous allons les financer avec l'argent de la commune. Alors, donc, lors de la cérémonie des vœux, j'ai conclu mon intervention en disant attention aux candidats qui feraient des promesses qu'ils ne pourraient pas tenir, parce que nous savons très bien que les finances publiques ne seront pas florissantes dans les 6 ans qui viennent. Et donc, à nous élus, de faire attention et de ne pas nous lancer dans des projets qu'on ne pourrait pas financer. Surtout de ne pas les promettre, parce qu'à ce moment-là, on déçoit les électeurs, évidemment. Et donc, rassurez-vous, les projets qui seront proposés aux habitants de Vizerne pour les 6 années qui viennent seront des projets que nous pensons pouvoir tenir avec des subventions. La communauté d'agglo va mettre en place à partir de cette année une subvention aux communes non urbaines pour des travaux de rénovation de bâtiments, écoles, mairies, églises. Nous allons donc bien entendu en profiter. Et puis ensuite, on fera ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Daniel Herbert, justement, on parlait des finances. Pour avoir un peu plus d'argent qui rentre dans les caisses de la commune, une des solutions, c'est d'avoir davantage d'habitants. C'est ce que nous sommes en train de faire avec des lotissements qui se sont remplis au fil des années, puisque nous venons de terminer pendant ce mandat la large pâte. Nous avons terminé également les Hauts-d'Huizerne et nous avons aussi commencé à travailler avec Villogéologie 62 sur la rue du 8 mai avec des constructions de 16 petites maisons individuelles qui seront complétées par la rénovation des 2 immeubles de la rue du 8 mai qui ont largement besoin d'une rénovation. Et nous travaillons aussi à l'Arlésienne huizernoise, c'est comme ça que je l'appelle, c'est le Val de Huisque qui va enfin pouvoir commencer, ça fait à peu près, allez, je dirais 20 ans que j'y travaille. Mais on y est arrivé et aujourd'hui, ça devrait commencer. Donc il y a encore des possibilités au niveau foncier, en tout cas, sur la commune. Alors au niveau foncier, il nous reste le Val de Huisque. Donc ce sera environ 90 logements qui seront faits avec une mixité, partielle libre, accession à la propriété et logement locatif social. Et puis nous sommes, avec la communauté d'agglo, en train de créer une réserve foncière jouxtant la large pâte à l'entrée de Vizerne, mais celle-là ne sera sûrement pas mise en fonctionnement pendant ce mandat, sauf peut-être une petite partie qui est près de la départementale 928 et qui sera une partie réservée à l'artisanat. Nous avons quelques demandes d'artisans et donc on espère bien remplir cette parcelle qui pourrait comprendre les 3 ou 4 artisans. Oui, il y a un projet peut-être de commerce, un petit commerce aussi Il y a un projet de garage, il y a un monsieur de Huizerne qui a un garage et qui souhaite venir l'installer à Huizerne. Un garage qui fonctionne déjà dans une autre commune. Et puis on espère retrouver quelques artisans qui viendront s'installer.
Nous sommes toujours sur Delta FM avec Daniel Herbert, maire actuel de Izernes, qui est candidat à sa propre succession. Daniel Herbert, comment est-ce qu'on peut justement redynamiser encore un peu plus la commune? On a parlé beaucoup de logements, d'habitat, mais faire en sorte que ce ne soit pas uniquement soit une cité dortoir, soit un lieu de passage? Voilà, c'est là un peu notre problème, c'est que je ne souhaite pas, et mes collègues qui m'accompagnent ne souhaitent pas non plus, que Izernes devienne une cité dortoir. Et malheureusement, je me rends compte que on est en train de le devenir. Alors à nous maintenant de mettre en place des actions qui intéressent les habitants, qui font que les habitants sortent de chez eux, que le samedi et le dimanche profitent de ce qui se passe dans la commune, plutôt que de se concentrer là dans le petit cocon familial. Je sais que c'est très, très agréable de passer son week-end dans le cocon familial. Mais alors, nous avons des associations, nous avons beaucoup d'associations que nous soutenons, que nous aidons, et c'est par le biais peut-être de ces associations qu'on peut inciter les gens à participer à la vie de la commune, et puis aussi à nous peut-être, et ce sera l'un des points forts qu'on devra développer pendant ce mandat, c'est communiquer, parce que nous n'avons peut-être pas assez communiqué avec nos habitants, et je pense qu'on fait des choses, il faut les faire savoir, et il faut que les gens aussi aient envie de participer à la vie de la commune. Alors sur des animations, sur... Des animations, oui, voilà, peut-être remettre en place un forum des associations pour les faire connaître tout au moins en début de mandat, et puis aider nos associations pour que les habitants sachent qu'on fait du basket à Izernes, qu'on fait du tennis, qu'on fait du tir, etc., qu'on fait des choses. Alors évidemment, nous ne sommes pas au niveau des communes voisines par rapport aux équipements, mais je suis de ceux qui pensent que c'est pas la peine. Nous avons des équipements qui permettent à celui qui veut faire du sport d'en faire. S'il est bon et qu'il veut en faire à un échelon au-dessus, eh bien, je ne suis pas du tout fermé à ce qu'il s'en aille en faire à Arc, à l'US, à Saint-Omer, s'il joue bien au foot. C'est comme ça que je conçois, moi, l'émulation sportive. On parlait brièvement tout à l'heure des commerces. C'est important aussi, et vous avez une marge de manœuvre pour amener des commerces de proximité dans la commune? Non, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, et c'est un peu le bon. Nous avons la chance d'avoir trois petits supermarchés qui fonctionnent bien et qui finalement supplé un peu le manque de commerces de proximité. Mais qui sont peut-être aussi, on peut dire, des commerces de proximité. Ce sont des petits supermarchés. Ce sont des petits supermarchés, donc c'est un peu un commerce de proximité. La rue de Saint-Omer reste ce qu'elle est. Malheureusement, quelques commerces ont disparu. Il y a notamment une activité bancaire qui a disparu et je vois que ça reste vide. Hein, on ne trouve pas. Pourtant, bon, on essaie avec les Saint-Omer Développement, etc. Mais bon, le centre-ville n'attire pas beaucoup les commerces. Malgré les aménagements qui ont été faits. Oui, il nous reste à aménager la place. Il nous reste à aménager la place. Nous y avons fait quelques aménagements, mais qui ne sont pas satisfaisants. Donc nous allons travailler là au réaménagement de cette place. Bon, je ne suis pas sûr que ça sera dans le mandat ici, parce que l'idée que nous en avons est que ça va coûter un peu plus cher que ce que vous prévoyez, donc il faudra là aussi être prudent. Donc ce n'est pas uniquement de la voirie et... Non, ce ne serait pas uniquement de la voirie, c'est du parking, c'est un peu de l'aménagement paysager, de façon à rendre cette place un peu plus agréable, qu'on n'ait pas cette surface aujourd'hui très occupée. On a délimité des emplacements de parking, et depuis que nous avons fait ces emplacements de parking, la place compte dans la journée 50 à 60 voitures constamment. Alors, je ne sais pas où vont ces gens, mais enfin c'est très bien, il y a une place, on l'utilise. Très bien, donc ça fera partie des projets, peut-être pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Mais c'est en projet et nous y travaillons, mais bon, ça viendra en son temps. Alors si par hasard on trouve de l'argent, on le fera. Très bien, et bien merci beaucoup Daniel Herbert d'avoir accepté de passer ce quart d'heure en notre compagnie sur Delta FM. Merci du bon accueil et bonne journée à vos auditeurs. Merci.